Il n'est pas mis fin à l'existence de la FESI, Fédération Estudiantine Scolaire de Côte d'Ivoire, et des autres structures de défense d'intérêts d'étudiants. Le prochain conseil des étudiants dans le cadre de réformes ne les exclut pas. C'est une information que le conseiller spécial du président de la République, chargé de la jeunesse et des sports, a tenu à rappeler aux différentes associations d'étudiants, ce lundi 17 février à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. L'information qui a été donnée sur les antennes de la télévision faisant état de la dissolution des organisations étudiantes n'est pas vraie. Et donc c'est cette information que nous étions venus porter. Un rectificatif qui rassure ces structures qui ont perturbé les cours ce jour. En conservant leur statut, ils attendent contribuer à la réforme de la vie associative au sein des universités. Les choses avancent, donc il faut que nous aussi là, on se mette dans la dynamique des réformes, on le fera. Seulement, on demande que les associations puissent exister. À partir du moment où les associations existent, elles peuvent, n'est-ce pas, apporter leur contribution aux réformes. L'amélioration de la gouvernance des organisations d'étudiants vise une participation plus accrue des apprenants à la vie de leur université. Rien ne se fait à Nangui, à Brogoua, sans qu'il n'y ait une réunion préalable avec toutes les associations. Après cette rencontre, le calme est revenu à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody cet après-midi.